Salut tout le monde, je suis Inal, salut Lunik, et aujourd'hui, on se retrouve toujours avec Léon dans Resident Evil 4 pour enfin entrer dans cette fabuleuse église, en espérant que ce soit par là qu'il faut aller. Impossible de l'ouvrir, et bien d'accord, un orifice circulaire, peut-être qu'un objet peut y être inséré. Allô? Hunnigan, it's Leon. The door's locked, I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? No! There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Fais quelque chose, Léon! Fais quelque chose! Ah, bordel! C'était tellement en mode le truc, on m'a dit d'aller là, mais je peux pas! Y'a un buisson sur le chemin! Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Il y a l'air. On va d'abord essayer de voir cette porte. Impossible de l'ouvrir. Elle doit être verrouillée de l'autre côté. Dane! C'est pas grave. Faisons le tour. Oh. Bonjour. Wow, 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 wow. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça fait boum, ça, monsieur. Comment on fait demi-tour? Comment on fait demi-tour comme ça? C'était comme ça. Non! Non! Oui, vous l'aurez remarqué, j'ai craqué. J'ai une nouvelle arme et on récupère des pesetas. Ouais, je me suis renseigné sur le nom depuis. Et ça brille. Je peux pas le viser. Qu'est-ce que c'est que ça? Une énigme! Un message dit, trois insignes familiaux des sosies. Ah! On dirait que le cadran tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 3 ou 4 crans. Ah! Quitter. Il me faut clé et trésor. J'ai rien du tout! Non, ça va me servir à rien. Mais comment ça, j'ai pas la moindre clé? Bon, on est pas dans la merde. C'est pas grave. Je sais où retrouver l'insigne que l'on cherche. Sur les tons. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir un beau insigne? D'accord, il y a plusieurs insignes. Ah, c'est celui-ci que je cherchais. La libellule. On parie combien que j'ai oublié? Les cornes. Un, deux, trois, quatre. Mais il y a quatre symboles différents, mais c'est... À moins que... Examinons. Les jumeaux doivent être enterrés dans cette tombe. Oh non! Alors, le S, les cornes de bélier et les cornes plus droites. Ok. J'imagine. Ça parlait bien de jumeaux. Oui, ça parlait bien de jumeaux. On va croire qu'on a la solution. C'était quoi? S, corne, corne. Ok.
Y'a quoi par là? Je suis un poisson. Ah! J'ai eu peur. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pourriez me partir? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, monsieur, reposez ça. C'est dangereux. Vous risquez de faire mal à quelqu'un. En l'occurrence, moi. Non, non. Oui, voilà, reposez ça. Merci, messieurs. C'est venteux, faut pas glisser, hein. Ça ferait un sacré plongeon. T'es une pute balle. 8, il y en a un autre qui est là en dessous. Je vise où? Je sais pas où je vise. Là. Ah là. On va d'abord s'occuper des cornes et du S. Hein. Nous ne faisons pas trop notre poisson. Hop. Ok. Alors. 3, 4, 3. Alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Ah, je sais. Merde. Pas ce que je voulais faire, au secours. Alors, je clique trop vite. Alors, dans un premier temps, on va le tourner de façon à ce qu'il arrive un à gauche. Comme ça, on pourra avancer 2-3 à... Attends, non, ça ne va pas. Tac. Perplexe. Est-ce qu'on peut le tourner de 3? On peut le tourner de 4. Tourner de 3. Ok. Ok, ok. Ça s'allume. Je vois comment ça fonctionne. Parfait. Là, 4. Et 3. Padam! Qui c'est la meilleure? Qui c'est? Hein? Et j'ai obtenu un œil de chat! Miaou! Et c'est tout. C'est tout? Bon, bah. C'est l'heure du plongeon! Parce que je pense pas que ce soit l'œil de chat hein, qui me manque ici. On est d'accord. Aïe. Il nous faut le chat entier. Pauvre bait. C'est pas grave. Ce vent. Hop. En essayant de pas glisser, c'est mieux. Personne. Ah, une note. Il y a... Hop, 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 hop. Ah, méchant serpent. Non, mais je vous jure. Ah, j'ai un œuf de poule. Ce serpent était une poule. Me demandez pas. Fermeture de l'église. En ce qui concerne les deux fugitifs, le...
En ce qui concerne les deux fugitifs, le plus urgent est de capturer Luis. Le cas de l'agent américain peut attendre. Ce que Luis nous a volé est bien plus important que la fille. Si on ne le récupère pas, la fille ne servira à rien. Nous devons remettre la main dessus pour mener à bien notre projet. Si l'objet tombe entre de mauvaises mains, le sort du monde pourrait être très différent de ce qu'envisageait Lord Stadler. Nous devons à tout prix l'empêcher. Quoi qu'il en soit, on ne va pas laisser la fille partir. Pour que l'agent ne puisse pas la délivrer, j'ai verrouillé la porte de l'église où elle est retenue prisonnière. Enfoiré ! Ceux qui veulent entrer dans l'église doivent obtenir l'autorisation de Lord Sadler. Il y a une clé derrière le lac, mais il ne devrait pas y avoir de risque. Le Del Lago a été réveillé par le Lord et personne ne peut traverser le lac. Ah ! C'est quoi un Del Lago ? J'aime pas le nom. Hein, de plus, notre sang coule dans les veines de l'agent. Tôt ou tard, il sera l'un des nôtres. Après cela, personne d'autre ne viendra au secours de la fille. Non, je veux pas être de... Je veux pas retourner en arrière dans ma civilisation. Dans ma civilité. Moi, je sais pas. J'aime mourir quand je me prends une balle en pleine tête. Enfin, non, j'aime pas mourir, mais... Façon de parler, façon de parler. Oui. Ça donne envie de faire un sacré plongeon quand même, hein. Bon. Permettez, je suis en train d'admirer le paysage. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder? Allez! Meurs! Ah, meurs. Merci. Ah bah lui, il a pas hésité à le faire, le plongeon. N'empêche, j'imagine pas les efforts qu'ils ont dû mettre pour construire un truc pareil, quoi. Bref, ce qui nous intéresse se trouve derrière cette porte. C'est la suite du niveau. Pauvre plante, elle est emprisonnée. Qu'est-ce que c'est ? Tes munitions de TMP, j'en avais pas encore assez. Je sens que je vais finir par les revendre, les munitions. C'est l'heure du massacre. Y'en reste. Des sous. Ces corbeaux étaient riches. 500... 900... 1100, 1500, 1800. Ces corbeaux avaient quand même à eux seuls 1800 pesetas. Oh. Ça a l'air d'être une sacrée grosse bestiole. Une munition de pistolet, j'en ai passé. Spinel. Ça, c'est des sous. J'ai fait un petit massacre chez les corbeaux, quand même. Je regrette absolument rien. Tant qu'à m'y a plume, il faut savoir s'entraider. C'est pas ma faute si l'entraide passe par l'extermination. Je suis pas du tout en confiance, hein. Vous admettez, je suis pas du tout, mais alors pas du tout en confiance. On peut ouvrir. Par là, on peut descendre. Il y a le symbole. Est-ce qu'on peut passer? On peut passer. C'est dans une cave. J'aimerais observer un petit peu les possibilités qui s'offrent à moi. Là, je vous admets, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un point de sauvegarde.
que je suis pas rassuré du tout. Vaisseau 1600 pesetas. Et ben, maintenant, la question, ça va être de faire la conversion en euros pour savoir combien ça fait. Je crois que ça vaut pas grand chose. Oh, ils ont le sens de l'hospitalité, hein. Pendu par le trou des yeux. Magnifique. Putain, j'en étais sûr, au secours. Y. Cours. Saute. Vous m'avez raté. Où est-ce que je suis? C'est quoi ces loupiottes? Fallait pas se tenir à côté des grenades, mon gars. Sauter. J'ai de mauvais souvenirs de labyrinthine, j'ai pas envie de sauter dans un marais dont j'ignore tout. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon gars. Aujourd'hui, c'est l'heure de la boum. Il y en a qui ont pas l'air d'apprécier les boums. Messieurs, puis-je vous intéresser en un petit peu de plomb? Waouh! Ah là! Allez, fondez! Ah là! Parfait, parfait! Oh non, il y a des serpents en plus! Petit serpent! Pour toi aussi, c'est l'heure de la fête! Boum! Ah oui! Donne ton honneur! Un œuf de poule brun! Ce serpent était une poule brune! J'ai toujours pas compris comment fonctionnait la faune. Plaît-il? Ah, monsieur! Est-ce que vous pourriez avancer un petit peu que je puisse faire tomber votre chapeau? Monsieur? 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 Ah, je vois. Il veut pas perdre son chapeau. Bon, bah tant pis. Il a perdu la vie. Ah, j'en étais sûr! J'entends de la musique. Où ça? Oh! Oh, mais vous êtes combien? Vous inquiétez pas, messieurs, j'ai des balles pour tout le monde. Attendez, faut que je recharge. Tire-toi! Dans des mouvements trop stylés. Non, reste au sol. Non. Et B. Ouh! J'ai vidé mes chargeurs! Mais il y en a encore, mais c'est pas possible! Parfait! C'est ça! Monde de. Venez, venez, venez! J'ai plein de balles pour vous, mes amis! Attendez, je recharge. Ah là, parfait! C'est pratique d'entendre les balles passer à travers eux pour savoir quand est-ce que ils sont bel et... Et ben voilà! J'ai vidé mon chargeur! Ding. J'ai parlé trop vite! J'allais dire que j'ai plus besoin de mon... fusil mitrailleur, mais visiblement, si, j'en ai encore besoin! Une grenade, parfait! Qu'est-ce qu'une grenade foutait là? Mystère, mystère.
Allons, faisons... BOUM! J'ai rien compris. Oh, bonjour monsieur, excusez-moi, je ne vous avais point. Ouais, mais t'as survécu à l'explosion? Allez! Bon. Avec ça, je vais peut-être enfin changer d'arme. Il y a que 13 balles dedans. Il y a que 13 balles. C'est pas mal aussi au final le fusil mitrailleur. Je m'attendais à ce que ce soit moins utile que ça. Je regrette pas mon achat. Bien. Là il y a un truc qui brille. Ah d'accord, c'est un truc qui brille en faisant boum. Monsieur! Plus de tête! Ah, monsieur, vous étiez à l'intérieur. Hé hé, plus de chapeau! Je lui ai tiré, par derrière, on va dire. Ma balle, elle a dû faire un 360 pour le toucher en plein visage alors que j'étais dans son dos. Ouais, les lois de la physique non plus, je suis pas sûr de les comprendre parfois. À moi les richesses. Bien. Plus de munitions. Vas-y Léon, tu peux le faire! Mais je l'ai tué! Il est où ce serpent de mes deux? Ah mais arrête de bouger saloperie! What? Merci! Donne ton œuf! Histoire que je le mange un peu parce que j'ai faim. Les œufs, c'est bon pour la santé. C'est plein de goût. Lucide. C'est bon pour la santé. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que j'ai fait tout ce qu'il y a. Petit. Viens voir maman. Petit enfoiré. Voilà! Non mais où? À moi le neuf! N'a jamais trop de neuf. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu rater? Non. Je crois que je viens de par là, donc c'est bien par là la suite du niveau. J'ai pas vu un truc briller sur l'arbre. C'est pas grave d'avoir raté ça. On se le prendra la prochaine fois qu'on repassera dans le coin, mais... En attendant, c'est pas grave. Allez, avançons. Progresse. Une porte. Est-ce qu'on a une carte des lieux seulement? Oui, ça va. Ça va, on a une carte des lieux. Trésor. Trésor. Comment ça, trésor? Comment ça, trésor? Ok. C'est quoi les X aussi? Bref, c'est pas grave. On a découvert qu'on avait une carte. C'est le principal. Continuons d'avancer.
S'il vous plaît, évitez de me lancer un rocher. Là, je suis en train de monter. J'aimerais pas devoir tout redescendre. Personne pour me balancer de rocher. Qui sont fort aimables. Tiens, les pêcheurs. Mais c'est mon ex-collègue. Non, j'ai une ouïe vachement fine, hein, pour les entendre d'ici. Bah, il est mort. T'es là, gros. Wow, ça a l'air gros. Je peux réavoir mes gâteaux de... Les gâteaux de labyrinthine, non? Ça me semble être une mauvaise idée que de passer par là. Est-ce que j'avais d'autres possibilités de chemin seulement? Non, mauvais bouton. Bien, mauvais bouton, disais-je. Si, j'ai raté un virage à droite. De toute évidence. Voilà. Heureusement que j'ai une carte. Heureusement. Personne. Récupérons les munitions. On en a pas assez après tout. Une plante jaune. Ouais, elles peuvent s'orienter comme ça. Intéressant. Combinons. Parfait. Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux faire. Ça, c'est jeté. Ouais, c'est jeté. C'est bien ce qui me semblait. Tant pis. Il va vraiment me falloir un sac à dos beaucoup plus gros. Ok. On a un petit bateau. Donc, on va pouvoir aller naviguer sur les flots. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, je vous dis merci à tous d'être passés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.